Téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs, une fois de plus, nous allons présenter en nouvelle version de Haïti Horizon 2054. Nous connaissons l'émission, ça, c'est camarade nous, Jean-Roubaix, Jean-Noël, pour télévision Jean-Roubaix, Jean-Noël TV, et votre serviteur, Rénal Rival, pour Téléprovincial. Jean-Roubaix, Nabdou, bonsoir. Et c'est toujours même question d'actualité et conjoncture sur le plan international et sur le plan national. On va réanalyser ou encore analyser parce que données ont changé de jour en jour. Bonsoir Jean-Robert et bienvenue. Bonsoir Rinal, salut à toutes et à tous. C'est un plaisir de nous retrouver nos semaines encore pour nous analyser l'actualité au niveau international et au niveau national, naturellement avec en priorité sur le national. Donc, nous connaissons dans l'international là, nous avons une question et tremblement de terre qui passe dans deux pays, Turquie et la Syrie, qui fait en pile mort. Dans dernière nouvelle réalité, 44 000 morts, bon, on y a le cas plus, puisque ils reconnaissent qu'ils ont écouté, ils ont abandonné, il y a deux villes qui ont espoir. L'autre information internationale, c'est toujours la guerre là. La guerre et la En Russie et Ukraine. l'Ukraine. L'Ukraine et la Russie, et qui dominait scène internationale là, et pour semaine ça. Et l'autre, est-ce que nous avons mis dans le cadre de scène internationale, c'est une rencontre qui fait et Bahamas, côté pays Caraïbes comme était réuni, et des représentants des États-Unis et Canada dans l'entrée sous lui. Et la Caraïbe, c'est toujours le même phénomène d'insécurité à Cap-Vert, les terrains. Pendant la police à frontière, font tout. Nous reconnaissons ça. Et il y en a qui parlent, font belle râler sous lui. C'est surtout l'affaire de Yves Jamba, ancien président sélection nationale. Donc, on a bien pour nous parler de ça. Jean-Robert, je passe au micro. On va parler de Jovenel Moïse. Non, là-dedans, on n'a pas entré tout dans la question justice là. On n'a pas entré là-dedans. Évolution, situation sur le dossier Jovenel Moïse. Jovenel, côté FBI, et met main sous quatre autres monde, en plus de l'autre quatre qui ont en Haïti. On a embrassé sous toute idée, ça, je ne veux dire. Mais ok, je trouve que c'est des sujets assez intéressants. Et rapidement, nous pas prêter sur la Turquie et la Syrie, tout simplement DTA, puisque et semaine dernière, nous avons vraiment analysé, regardé nous-mêmes, nous avons pris par nous en 2010, et nous avons expliqué qui m'a étudié et qui combien de monde qui était mort. Bon, il y a une grande évolution qui fait. Je parle de 44 000, donc nous disons aux environs de 45 000 monde, parce que et toutes les informations disent qu'il y a des cas de disparus que beaucoup rejoignent, mais ça, c'est des cas et de mortalité qui ont bien identifié, vous parlez de 44 000. Donc, même là encore, on tremblement de terre de magnitude et 7,8 et ça passe dans le pays d'Haïti, vraiment, pas d'abri. Parce que, et même dans le pays, ça a un niveau de respect des normes de construction qui est beaucoup plus élevé que nous-mêmes. Et eux-mêmes, ils ont une histoire tout. La construction building, ils ont une série de jeunes qui sont allés dans l'autre pays apprendre vraiment des techniques nouvelles pour faire face à tremblement de terre. Donc, malgré ça, ils ont gagné et ils ont enregistré tout le monde qui est mort. Donc, en tout cas, c'est ça qu'on a dit pour. Et tremblement de terre en Syrie. Hein. Et moi, je pense que l'important pour nous faire tirer sur l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est l'information, l'actualité dominante au niveau mondial. Et l'Ukraine, tout le fait que vous gagnez son guerre Ukraine-Russie, mais si c'est en guerre tout, et Russie et l'Occident, par l'Ukraine interposée. Donc, il fait que vous gagnez en pile rumeur, parce qu'il paraît qu'on gagne des informations précises, donc contre-offensive russe, qui a fait
dans les prochains jours, parce que pas oublier que il y a là pratiquement semaine centrée dans 12e mois, li, donc un an, et tout le monde connaît, et Poutine, c'est le monde qui a mis date. Donc, il y a plus de monde qui prévoit que pour aller en escalade, pour aller en contre-offensive russe, et Russie a basé une série d'avions autour de l'Ukraine, et au nord, et au sud, et à l'est. Donc, tout le monde pensait qu'il y a une attaque aéroportée et qu'a fait. Mais en même temps, tout, il y a plus de monde qui croit tout, avec toutes les armes anti-aériennes que l'Ukraine recevra de l'Occident, l'Ukraine est difficile pour la Russie parce que là, ça, et tout avion, l'État est dans zone ça, à la portée de bonnes armes aéro que l'Ukraine dispose actuellement. Et donc, et tout pour Napton, mais ça pour nous, ça pour nous retenir quelques batailles concentrées sur le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Donbass, c'est une zone industrielle, nous dit c'était, parce que pratiquement son zone qui carabinait, et avec artillerie russe et réplique ukrainienne, donc presque toute zone là sont zones qui pratiquement dépeuplées, et c'est là tout que deux républiques séparatistes, Louhansk et Donetsk, situées. Donc, et nous pensons que et la Russie, il y a un peu d'intérêt pour les zones, parce que ce sont des zones industrielles, mais ce sont des zones de production agricole. Tout. Et comme l'Ukraine, c'est un gros pays agricole, donc, et dans la mesure où tu as une négociation, la Russie a bien aimé les zones nettes. La Russie, il y a deux républiques, qu'on est allé intervenir sous quatre zones, tout au moins déclaré quatre zones. Et quatre oblasts, les départements, j'en aurais les départements de la Tibonie, département de l'Ouest, il y aurait les mêmes oblasts, il y aurait quatre oblasts qui l'ont mis officiellement, ils ont fait un référendum pour Yopani, c'est l'oblast de Donetsk, l'oblast de Louhansk, l'oblast de Zaporizhia et l'oblast de Kherson. Donc, comme tout le monde connaît Russie, et surtout Vladimir Poutine, c'est pour un nègre qui remet perdu, c'est un jusqu'au boutiste. Donc, tout le monde croit que la première besoin de ça, on a fait tout ça capable, au prix même de milliers de morts pour le reste de Kakembeo, dans le cadre de négociations pour le tout point, pour l'annexer officiellement, même si on le fait officiellement, pour l'annexer réellement à la Russie. Et la Crimée qui a déjà gagné. Donc, c'est comme ça, et la situation est représentée. Donc, par conséquent, on gagne, on risque d'escalade avec l'Occident qui a brûlé un paquet d'armes et on va connaître n'importe quel incident qui a gagné, soit en avion, soit dans la frontière et l'OTAN. Donc là, ça au cap déboucher sur une troisième guerre mondiale que personne ne va souhaiter. Est-ce que nous parlons de la Troisième Guerre mondiale, là? C'est l'Occident contre la Russie. Et au songe de la Deuxième Guerre mondiale, là, c'était un ensemble de pays, l'Europe, l'Amérique, contre l'Allemagne, et qui était provoqué en guerre. Donc, est-ce que nous parlons là-dedans? Et l'autre chose que nous ajoutons en plus, Jérôme, avant d'ajouter, c'est que comme incident tout, il y a des tirs qui sortent du côté Israël, qui sont tombés Damas. Et la Russie protestait contre tir ça qui tombait Damas. Donc, on est zone Israël, Palestine, toujours gain tête chargée. Donc, il semble dans la question tir, gain, on tire qu'elle tombait Damas. Nous ne pouvons pas arrêter sous ça. Mais est-ce que nous allons entrer dans la Troisième Guerre mondiale là, déjà, Jean-Robert? Bon, bah, y a un pile spécialiste qui pas parlé de Troisième Guerre mondiale. Il a parlé de une guerre mondialisée. Parce qu'il y a un pile, effet qui gagne sous le monde là. Et il y a des gens qui ont parlé de guerre hybride. Nous avons parlé ça dans l'émission et dans la radio, dans la télévision téléprovinciale. Donc, et nous-mêmes, tout dans Jean-Robert Chanoine TV, nous avons fait et vidéo sur ça, et même dans le blog Jérôme Jean-Noël, nous t'ai parlé de différences qui gagnent entre guerre mondiale et guerre mondialisée. Et
en guerre hybride, et, ou même tout est fait ressortir en série d'aspects qui liés à communication et qui, eux-mêmes, c'est bien des effets mondiaux et des effets sur le monde. Donc, tout ça, même ça, n'a contre qu'on a subi là, de blé, pays, ça, au produit, qui vient de picher en Haïti, etc. Tout ça, ils parlaient de en guerre à effet mondialisé, mais ils ont beaucoup parlé de Troisième troisième guerre monde. mondiale. Et puis l'autre barre qui gagne tout, c'est que pour qu'on ait les BRICS et les pays émergents gagnent des alliances et privilégiées avec la Russie et ou gagnent des manœuvres actuellement qu'a faites avec l'Afrique du Sud et la Chine et qui fait partie des BRICS. Parce que BRICS, c'est Brésil, Inde, Chine et la Russie. Là aussi. La Russie, donc, et ça a eu les Sud-Afrique et République sud-africaine, les State of South Africa. OK? Et vous n'avez pas parlé de S là. Donc, actuellement, il y a des manœuvres navales qu'a fait entre l'Afrique du Sud, la Chine et la Russie, qui fait que vous sentez gagner des alliances, des liens qui s'accélèrent de plus en plus, et par rapport aux États-Unis, qui lui-même, qui gagne tout l'Occident d'elle. Donc, on nous traversait dans la CAIN, parce que nous connaissons la question de kidnapping à continuer, mais il y a un bagage qui attire nous, attention nous, c'est rencontre qui fait et Baramassa, côté Premier ministre là, t'es allé, et président, le Premier ministre Canada est là, et où t'es un représentant les États-Unis. Mais, dans le dernier moment, on a parlé de sous affaire. Il vient bas qui est très important et qui va permettre de nous garder tout, question nous avons justice, question de ces journées-là. Donc, qu'ils soient comprennent, Jean-Robert. Bon, et ça, nous comprenons, c'est que au quatrième sommet, réunion de CARICOM, c'est une communauté économique de la Caraïbe. C'est un bail qui existe depuis 50 ans, ils ont rencontré chaque année. Et c'est au niveau chef d'État et de gouvernement. C'était président Jovenel, président. Matéli, et c'est sous président, ça a été parlé de ça plus, et eux-mêmes ils ont participé presque chaque année dans la réunion. Alors, au point que Jovenel était assuré présidence là pendant un petit bout de temps. Donc maintenant, et ils ont fait réunion, ça sont réunion qui était sur le changement climatique, qui était sur l'immigration, qui était sur tout problème qui était gagné dans la zone là, mais avec. Ils ont accent particulier sur la République d'Haïti avec tout problème Haïti à confronter. Ainsi que le Canada, qui fait le lien entre les États-Unis et la France, est lui-même représenté à niveau de Premier ministre. Et c'est comme si c'est présence Premier ministre et Trudeau qui devine fait que c'est comme si Maradou, c'est le Canada qui a patronné, comme si en réunion pareille. Et où tu gagnes tous les États-Unis, quand même, qui te représentent à un niveau assez élevé aussi, c'est le sous-secrétaire d'État et à l'hémisphère occidental, surtout, et Amérique latine et Caraïbes. Donc, c'est Brian Nichols, qui était là, qui te représentait les États-Unis, et dans réunion, ça. Donc, une autre décision que Trudeau a annoncée, c'est des bateaux. Et vous le voyez, et dans la mer d'Haïti, sur les côtes d'Haïti. Bon, les Haïtiens qui ont fait blague avec ça, ils ont dit que les bandits ont été, alors que le Canada, même dans les avions, l'autre jour, passant l'air, et qu'on est à la mer, alors que nous-mêmes, nous avons été. Si vous avez Et besoin tu as besoin de résoudre le problème bandit à sa atelier. de Ce si n'est vous avez pas besoin en de résoudre le l'air, problème ce n'est bandit à pas dans sa la mer. tête. Donc, comme Haïtien, toujours, c'est la période carnaval, nous y est. Haïtien, toujours, passé tout bas en dérision, pas étonné où,
dans, au cours des parcours carnavalesques, oui, jeudi à demain avec tout le duo, et pour rendre compte que et c'est une passe et toute bagarre en dérision. Donc, c'est des bagages comme ça nous attendons, nous. Non, c'est des bagages qui gagnent tout, c'est que nous connaissons le problème haïtien, pas qu'à résoudre de lui-même. Et haïtien, par les capacités pour résoudre le problème, ça a toujours un appui international et musclé, par Mkweli, a fait un appui international par les Français. Donc, c'est là que ça nous aller. Même au Conseil là, de transition, parler de lui-même, de politique nationale de sécurité. De politique de sécurité nationale, de toute base que vous mettez en place, réflexion que vous mettez. Donc, tout ça a besoin d'appui international pour résoudre le problème de sécurité, le problème de sécurité que nous vivons là, je veux dire. Et l'autre aspect à regarder tout, bon, Premier ministre jusqu'à présent, date, je dis, par contre, on est au courant de ça, il n'a pas parlé de rencontre. Parce que dans la rencontre, là, moi, journaliste, tout la voix de la mec, tape coincé pour dire qui ça gagne dans la rencontre, là, il dit, pas de problème, nous allons faire une déclaration, la déclaration, là qu'on est. Est-ce que vous-même au courant que Premier ministre là, fait une déclaration sous Non, participation dans à part ça, Rencontre. à part ça, la voix de l'Amérique là, par contre, et si il y a leur déclaration, le fait encore, mais tout est-il, il y a une résolution qui est pour sortir, et il y a des gens qui t'ont spéculé, t'ont posé des questions, qui t'ont dit, ah, est-ce que, ils n'ont pas compris, est-ce que c'est Canada en tant que ami États-Unis avec la France, est-ce que c'est aval, car comme il a cherché, il est capable de faire une intervention directe lui-même, et alors que normalement l'ONU, avec l'OEA, déjà, lui-même, il a pour une intervention militaire musclée. Donc, normalement, il a besoin d'aval. Et CARICOM peut faire ça, et d'autant que CARICOM lui-même n'est pas pour une intervention musclé, tout au moins, il dit, bah, vraiment. Et sauf Jamaïque et dans CARICOM qui décidait pour le faire, pour le vraiment. Donc, c'est la situation, ça a noyé. Donc, on va connaître. On va connaître plus. Comment dénouement allié. D'un côté, mais entre-temps, faut nous reconnaître que Bandi prend plus pied et question kidnapping, non, les poser les plus rapides dans le pays. De temps en temps, vous entendez le kidnapping d'elle, il y a demandé quoi, et où elle est là, non, vous entendez, c'est contre rançon. Donc, ils ont une habitude qu'on y a, une culture en pays. Son industrie, son industrie qui fait un pile millionnaire, on a dit ça l'autre jour, puisque négocié en millions, c'est en dollars américains, vous parlez. Et nous avons regardé, et dans la semaine, tu as une base Grand Griff qui prend toute zone de Ponsonde à Mirebalais, qui prend Verrettes, la Chapelle, Verrettes, des Chapelles et Liancourt. Donc, il a fait chaud, il a montré, il a fait déclaration, nous, il y a un petit camion, petit basculio, qui plein cartouches. Et il dit, il n'y a pas étant, donc ça veut dire qu'il y a des armes, et il dit, cartouches, ça veut dire la police nationale, au point haut. Et cartouches, ça veut dire c'est des cartouches. Ils ont acheté, ils ont joint, sous marché, ils ont dépensé l'argent pour gagner. Et ils ont même menacé tout, ils ont attaqué. Ils ont les Jean-Denis, parce que dans zone Jean-Denis, il y a un grand groupe opposé à eux-mêmes, et ils vont le frapper. Donc, en attendant, c'est comme sa situation est au niveau de l'Artibonite. Et même, on connaît tout. Et, au niveau de Port-au-Prince, il y a un pile cas d'assassinat. Côté, nous apprenons, pour la journée d'hier, gagné près de 10 personnes qui mourent dans la zone Boukambou, pas Boukambou, donc zone à son gros drain qui drainait la caserie vers la mer, l'aile grand pile l'eau. Donc, et dans la zone ça, gagné des gens qui mourent. Les gens qui mourent, il y a des gens qui attribuent à Canaan. Et dans d'autres zones, il y a des gens qui disent que c'est la police nationale qui fait bavure, qui fait ça arriver.
parce que soit t'as tiré sur moun, yo tiré sur. Donc tout est-il pas gagné des informations précises, mais nous connaissons gagné à peu près une dizaine de moun qui mourit, et on connaît tout gagné l'autre moun qui est mort pendant ce maintenant. Et la police nationale dans l'opération Tornade, il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui ont fait une conférence de presse, côté ils ont dit qu'ils ont fait un bilan, et bilan assez significatif. Donc, nous avons souhaité que nous regardions la conférence de presse, ça, et nous avons gagné Radio Métropole qui a fait un bon extrait et de la conférence de presse, ça, mais nous-mêmes, l'information est tellement pile que nous n'avons pas retenu tout et nous connaissons la police nationale a fait bec, comme on dit. Et en même temps, tout, Bandio a fait bec par eux. Et Et même Bandio même a fait fête tout. Parce que il t'as a même fait un gros sec. chef Bandio fait fête, a montré qui type manger le bail, et en pile lasagne, et l'a montré les gens a bien mené, Oui, etc. il a bien mené, monsieur. Il a vidé l'homme. M'a dit vidé l'homme. Vidé l'homme de balai. Bon, il y a tout. 400 mazos qui retournaient devant Sénat. 400 marozos sont une époque, c'est la marron. Et il y a des gens qui m'ont dit, et c'est payé, Oui. monsieur, payé en série de côté. Il y a des gens qui ont dit, oui, il tournait là en fanfare, il avait expliqué que, bon, toute bagarre, tout le monde, il est beau, il a mené, il retournait, il prend zone encore. Donc ça veut dire que c'est comme sa situation. Et donc son pays, pratiquement occupé par bandits. Et zone métropolitaine, pratiquement, c'est sous contrôle bandilier. Eh Donc bien, la ils bonne. ont qu'à vite l'homme, qu'ils ont entré dans la base vite l'homme, ils ont montré dans le cas de vite l'homme, et il semblerait qu'il y ait des bandits dans le camp vite l'homme qui tombait. Oui. Mais probablement, vite l'homme, il est toujours fort souterrain, ou encore est-ce qu'il repliait souterrain? Oui, les efforts repliés, mais ça, vite l'homme fait. Et vite l'homme gagné de l'autre groupe tout qui a attaqué d'autres zones. Pendant ce temps, même, il a couru dans la zone Peignet, même il y a des gens qui montaient juste en haut et dans Forjac, après des zones, nous avons des informations ça. Et c'est même passé, mais jusqu'à présent, il y a des bagarres comme ça qui ont fait et il y a des gens qui ont tombé sur motocyclette. Il est vrai aussi que les cas ça, c'est des cas. Parce que la police a paniqué et tout, parce que les gens tellement ciblés policiers, des bons gens, on va venir à côté de mon à n'importe quel moment, quand la police a tiré. Et Donc surtout là, sous motocyclette. surtout Parce sur que une dans pile cas motocyclette, qui fait, c'est cas de tout cas motocyclette. kidnapping récent ces semaines-là, surtout au niveau de Delma 31, au niveau de Delma 33, au niveau de la route nationale, au niveau de d'autres zones, c'est à base de motocyclettes. Donc par conséquent, et policiers sous Benzingue, je suis Pingayo. Donc, si on a passé avec une motocyclette à proximité, on a plus de chance. Souvent, calmement, un bon côté, quand fait tant qu'on l'a dégainé, bon, ou même à tout le monde, oui. Ça dit, la situation est de plus en plus compliquée. Il y a un nombre qui a été soulevé dans la dernière partie, pour nous faire commenter, Jobin, c'est question de la justice, c'est question d'accusation. C'est comme si je dirais, en termes de spécialité, de doctorat, on a l'impression qu'il y a pile de monde en pays qui fait spécialisation, ça sent pas l'école, non, détruit le monde moralement, non. Créer une image pour vous et même aller avec l'international. Et il y a une plateforme qui est facile qui permet de travailler ça fait rapide et avec une vitesse, c'est la presse et les réseaux sociaux. On prend le Et cas de Yves, droit de l'homme aussi. Et droit tu de peux l'homme. dire Il y a. Donc, on prend le cas de Yves Jamba qui vise ses footballs. Ancien chroniqueur sportif, qui vient radio, qui prend priorité à football et qui participait pendant des années comme président de fédération, sorry, fédération de football. Mais il y avait une situation, il accusait. Et je vous dis, l'accusation tombait. On nous regardait ça en profondeur et nous, ouais, la même question, je sais, justice, dossier, journal, puisque le journal tombait dans la même bagarre. On travaille de manipulation, de dénigrement, mais pour Yves Jamba, lui-même, il passait
étape qui permettent, je ne veux dire, lier la tête trop. Bon, moi-même, bien content pour Jean-Bas, parce que c'est un monde qui fait un pile effort, qui brûle et football là, un pile service. Mais malheureusement, bon, c'était pour un bagage ça, et on est en Haïti, depuis on a accusé où, et depuis la presse dit coupable ou coupable, depuis l'on met non ou condamné. Et pas aucun monde qui est d'accord. Si on en met non, et puis pendant ce temps on en met non là, et puis pour toujours, ou même on va payer et on va opérer toujours. Et depuis la presse on en met non, eh bien, ce tribunal la presse, c'est comme une radio jugement déjà fait. Et Yves Jean-Baptiste souffre en pile, bon, bah, on est, c'est la demande des dommages et intérêts, et parce que et, son monde, il a accusé et toute la presse. Et monsieur droit de l'homme, c'est jury, le tribunal, et la presse et réseaux sociaux. Yeah, donc, yo-même, yo font matraquage sur monsieur, yo, comme Jovenel Gondi dit, yo assassiné le caractère monsieur, et monsieur, et monsieur que madame monsieur, et petite monsieur souffre en pile de ça, et il est vrai que, à ce qu'il paraît, monsieur, grand petite, il fait avec une footballeuse, mais son monde âgé, mais il prend ça comme on fait, et puis qu'on est arrivé. Et même bon petit joueur, nous gagnons, meilleur joueur qui gagne, pratiquement jeune qui gagne dans le monde actuellement. Mounio, tu mets tes photos, monsieur, avec tes petites là, qui sont dans le stade. Et on dit que, bon, tes petites là paraît gêné, paraît ceci, pour être capable de faire montage là bien. Et moi, ça, t'es un petit genre étonné, moi. Parce que moi, quand on est, monsieur, grand, petite fille, et plus ou moins, bon, qui est plus âgée que tes petites là. Monsieur, est-ce qu'on pense à sa fille? Est-ce que monsieur Tekafon va faire comme ça? Mais pour on est dans l'époque, on ne va pas faire commenter, on ne va pas dire rien. C'est juste ça, mon Dieu dit, on juste quitter le passé. Et monsieur lui-même, qu'on y a heureusement pour lui, on va attendre la presse faire la une, tout, comme information. Et monsieur passé là, tout va passer, jugement bon en faveur monsieur. Monsieur rétabli dans ses droits. Et, mais la presse, pas mal, autant d'importance. Que les autres t'a accusé, monsieur. Tu vois? Donc, tout ça, bien content, nous-mêmes, ou relever pour ça, pour nous-mêmes, pour nous paraître un petit peu différents de l'autre monde. Et pour nous, vraiment montrer que cette affaire d'assassinat de caractère Moon, c'est un mauvais bagage. On va acheter carrément chaque fois qu'on a besoin d'éliminer un Moon, et puis nous créer notre causée, nous mettre sur Moon là. Et puis, et comme peuple là va bien formé, on s'est dit, il va comprendre. Et ils l'ont mis non. Et puis, ils dit, c'est volé, ils dit, c'est quelqu'un de jacquet, ils dit, c'est grand, c'est. Donc, il suffit qu'on monde décide, ils l'ont mis non mal. Et puis, bonsoir à tous, si on monde connu, la presse reprend. Et puis, il y a un bon réseau social qui reprend tout. Et puis, bon, on laisse on charge le problème. Et je connais l'expérience ça que je partageais, j'ai même changé les cyclones Jeanne passé Gonaïves, de nos mouvements Boston, mobiliser moun, nous avons besoin pour 200 000 dollars, à la fin c'est 50 000 dollars, nous arrivons fait. Mais nous avons donné la peine, nous passer par la Croix-Rouge, mais toute étape, nous documenter. Et la Croix-Rouge, son intermédiaire, qui tapait entre nous-mêmes et Gonaïves, c'est ainsi, tout va bien passé, l'hôpital a été bénéficié. Nous te permettre plusieurs écoles bénéficier, mais toutes les photos, documents et tout papier, te donner la peine pour que pas grand rien qui passe sous silence. Où est le deuxième gloire rivé, et puis nous avons mobilisé le monde. Je dis, ouais, t'es compromis, comme tu es bien, négocié, par contre, ça passe. Je commence à parler en place. L'homme vient avec chèque, vient avec lettre qui était écrite, réponse la Croix-Rouge, démarche qui était faite, Gonaïves, appareil, l'app inauguré. Appareil, il t'a acheté. Le ça, c'était on bail pour bail fatra et on marchait la cour et puis il t'a acheté bagaille pour quelques berceuses. Vous voyez toutes photos, toute documentation. Ou qu'on est parlant pile qui t'a fait là-bas, il y en a mon guéri le mieux, Robert qui dit, ou encore qui dit, ah, nous t'a dit que monsieur t'a mangé comme la première fois, mais on vient avec documents, images, vidéos, documents écrits, pas de j'aime bien ça. Parce que, et ça t'est plus intéressant, plus facile.
pour parler bagay négatif. Nous songez et quoi que ça te bat au niveau de la presse de questions Ijamba toute la journée, mais je ne veux dire, on pas senti et quoi ça. Et c'est le même problème si nous tombons dans la question président Jovenel là, on ne nous a pas pour président Jovenel, ou ne pas aimé politique en Algérie. Mais moun pas gen droit pour mettre la ville pour éliminer. Et c'est pas président Jovenel, tout l'autre monde qui tombe en Algérie, journaliste ou encore professeur, avocat, moun pas doué gagner droit sous moun jusqu'à journée aujourd'hui. Mais ouais, dossier ça pile parler qui était fait dans la question justice là, en pile condamnation t'est faite sous de Jovenel, c'est dictateur, c'est lui qui t'a mené un groupe de bandits. Mais je ne dis pas, deux, trois vérités commencent. Ça que nous dit deux, trois vérités, nous ne pouvons pas dire que c'est toute vérité qui a sorti, mais un ensemble de vérités qui a sorti qui allait à l'encontre de tout ça qui a été monté, tout cinéma, théâtre, dans la radio, dans la presse. Mais, et ou gagné FBI, ou gagné et différents bagay qui posait journée jodi a qui mène nous dans l'autre carrefour pour moun commencer à pouvoir vérité à Olodja. Comment ouais question FBI moun yo dal prendre Haïti et moun yo met main sou yo et gen des moun yo, il est probable que gen d'autres l'autre moun ne pas met main sou yo. Bon, ça qui est arrivé, c'est que vous connaissez, FBI a été entré dans la prison, il prend trois Haïtiens avec un étranger, et il est là avec eux, mais il semblerait que tous les trois mondes ont gagné des résidences ou bien des nationalités américaines, tout, même si ils sont d'origine haïtienne. Et puis, étrangers à tout, c'est même pas là. Donc, il est là avec eux, mais à partir de là, ils ont jugé tout. Ça leur a tourné d'État et de Attendez, Floride. général. Et monsieur, c'est un monde qui est d'origine haïtienne. Vous voyez, les Mackenzie, la pointe, on va comme ça. Puis, monsieur, lui-même, il fait une belle conférence pour expliquer tout le processus-là, qui ça a fait, qui ça a mis à faire, etc. Et ça a été occupé et la une et d'actualité. Et pendant toute semaine, là, et j'ai arrêté quatre personnes qui étaient dans un groupe qui était coordonné toute activité, ça, activité d'assassinat du président. Non, et j'ai arrêté là-dedans. Quand il y a eu une là-dedans, il y a eu jeudi hier ou bien jeudi en sous caution. Et, mais on connaît ça veut dire aux États-Unis aussi. Leur monde. Et ils ont accusé, ou capé en caution pour sortir, mais ça va dire que jugement fini. Et moi, qui étais un haïtien, qui a dit, ah, il était comme ça, Américain impliqué le bagarre là, c'est normal, ou la commence à blaguer moune. Donc, alors que c'est comme ça y est, de vous payer caution, ils ont libéré ou sous caution, mais ça va dire que vous libre, pas fariner les mêmes, vous mettez un anneau électronique là, puis on va aller dans ou pas à loin. Et puis, on garantit tout, qu'on baille, que l'heure et l'eau, il y a besoin de nous. Et de bouquin domicile, si tu comptes côté pour besoin de nous, on va faire un pas. Et chaque fois, si on voit des limites, on va dépasser tout. Par exemple, si on va dépasser l'État de Floride, ou plonger leur ville de Georgia, aucun problème. Soit à l'Alabama, aucun problème. Quelque chose à l'État pour y en traverser, c'est la limite côté bon là. Pour être de laisser ville, il y a bon comme limite pour ne pas déplacer. Donc, tout ça, c'est des bagages haïtiens ignorés, on ne connaît, et puis on dit, on est, nous tous ces spécialistes dans tout bagage, et puis ça, tout nous Non, nous pas commençons. besoin de l'école pour ça. Bon, non, La haïtien, pas comme ça. vie, la caille, nous sommes université. Nous Haïtien, pouvons pas comme bouche ça. dans ça, nous voulons, nous Haïtien, qui c'est ça, le nous voulons. seul peuple qui existait sous terre. Pour Haïtien, c'est le seul peuple qui existait sous terre. Alors, sous qu'on a histoire, Haïti à l'an mondial de 1974, il y a des pays qui gagnent H dans le nom du Balbaï, qui Balbaï le monde entier, en pile surprise dans le mondial là. Et puis tout ça, c'est nous, ah ben, c'est nous-mêmes. Il y a un monde qui dit non, mais mon pays, il est la Hollande. Il y a qui ça, la Hollande? La Hollande va exister. La Hollande va même là même. Qu'est-ce qu'on parle de la Hollande? On va parler de pays comme ça. On parle d'Haïti, on H, H-A-I-T.
Donc, la Pologne bat nous 7 à 0 et l'Argentine bat nous 4 à 1. Et puis, la Hollande même dans la finale, les Amouniens comprennent qu'il y a l'autre pays qui existait et qui commençait par H, mais qui, bon, qui dépassait à de loin Haïti, tant du point de vue footballistique, mais que du point de vue développement. Mais nous-mêmes, nous tellement fermés dans le petit bout de la caille, nous. Nous ne parlons pas, d'autant que l'époque, ça va être toute nouvelle époque sous dictature. Donc, c'est haïtien. Jusqu'à présent, c'est la même mentalité. Nous ne parlons pas n'importe quoi. Je ne sais pas si on prend son pour écouter les politiciens qui parlent. Vraiment, c'est la parole créole, la parole de sujet. Il va aller là, tout côté le il dit tout ça, le parfois oublier, il pense que c'est ça l'abdia. Et puis, c'est comme ça, c'est l'haïtien. Donc, il dit que par cohérence, ça, c'est mon abdi, etc. Et puis, bon. Et maintenant, besoin faut la leçon. Et puis, l'haïtien aussi, c'est celui qui critique tout le monde, tout soit dit. Donc, où Dion là, quand on a parlé là, nous avons fait un écart de langage, c'est pas le pas le cas, il faut voir. On va le prendre tout soit dit, toute Et avant, information. c'est réalité. Il va prendre parti qui n'est pas bon, pour dire, monsieur, qui t'es même, je t'ai dit, t'es là, comprendre. Et de Je la réalité politique de nos jours, c'est ça. Grand pile travail qui t'a fait sous président Jovenel, je ne suis pas d'accord avec elle, de politique. Mais, ça t'a fait aussi la bonne pays, ou doit continuer. Grand pile l'activité président Jovenel, par exemple, nous a dit, dans la question pied-bois, tu as un projet de 500 millions. Pied-bois par année. 5 millions, 5 millions par stand-up en place. Et ensuite, tu as entré dans l'école pour petit monde, aller planter pied-bois, etc. Bon projet de tout, côté un groupe de 100 jeunes, côté des jeunes formation en entrepreneuriat et qui te groupe dans la question business, côté par le biais de ONA, il était prêté, si monsieur encore, à taux et très bas. Mais jusqu'à présent, on va attendre pas les baisers. Non, bon, voilà qui est, c'est que Haïti, c'est là où voilà. De vous voir sous pouvoir encore, tout ça, c'est qu'on ne fait pas bon. Par exemple, on va continuer le bout. C'est comme si, par exemple, il y a des gens qui défendent rien. Et François Duval, il va quitter rien. Aéroport international, c'est François Duval qui fait. Donc, il a regardé l'histoire. Si on regarde une vidéo sur les réseaux sociaux, c'est Menza. Quand Brown, comment l'a expliqué, et qui ça a été fait pour être financé à l'aéroport, parce qu'il va bien comme. C'est l'autre, Libération, etc. Ils ont été faits pour aider tout le monde, nous, tous contribuer à l'époque-là pour faire l'aéroport, ils ont fait pour 50 com, 25 com, etc. Donc, et pour faire l'aéroport international, là, je vous dis, l'aéroport, il est l'aéroport France, et tout c'est l'ouverture. Il va gagner un nom, du Valais là-dedans, les grands plus jeunes, qui va reconnaître, c'est François Duval qui t'a fait. Vous Et un comprenez? pile Donc, c'est. sacrifice qui te mettait faire. Et Oui, mais là, vous c'est là qui comprenez? mauvais la caille, nous, et qui Et m'a oui. besoin de changer. Ou t'es qu'on a fait l'autre aéroport qui est plus grand que l'aéroport François Ferrat, pour montrer dans peu de temps, ou faire un aéroport, il est tout seul ouverture, qui est de plus grande envergure. Parce que Bien. l'organe des sacrifices qui t'es fait pour faire l'obtention des documentaires, sacrifices qui t'es fait pour faire, et qui raison qui t'es poussé dans le moment ça, t'es gagné un pot ça. Parce que nous tangeons coupé avec l'international. Ou que nous avons un problème du Valais, ou que nous n'avons pas de politique du Valais, nous c'est aspect, mais si nous avons des choses qui sont positives qui sont faites, ou pas de nous accraser, ou on doit Oui. développer. Parce que nous avons gardé ciment d'Haïti, côté ciment d'Haïti, nous n'avons pas qu'on achète ciment et à l'étranger, côté minoterie, farine, nous n'avons pas qu'on achète fer, aciérie, c'était la caille, nous. Je viens aujourd'hui au nom de la Ou démocratie, de refacolef, qui te qu'on fait pas de tomates, ou de quoi pas qu'elle bagaille, ou de pile d'usine qui était établie à Haïti, ou gagne macaroni, ou c'est du bagaille vraiment, et pays à te la dernière, et du point de vue industriel. Et puis bon, et à la au nom de faveur la démocratie, nous de casser. la Au démocratisation moins, du la pays, démocratie a c'est dû une permettre commune. développement, avancement, Oui, mais modernisation. pour nous pas quitter l'île côté notée qui fait nous aller, parce que pas oublier, c'est le dossier journal là noté. Donc, là, nous garder toute information qui va et l'autre Haïti en marche, par exemple. Semaine ça, les titres qui a tué Jovenel Moïse. Qui a tué Jovenel Moïse. C'est-à-dire que même pas, c'est l'important pour nous garder, c'est Global News qui baille toute conférence et attendez général là-bas. Donc, il est bon pour nous entendre toutes les informations.
Et bien plus d'informations, tout, qui était une direction spécialisée de la police nationale, qui est les DCPJ, qui te font un travail énorme, de combien, et presque 800 pages, pour enquête. Et Valérie Lima, ou bien Gary Pierre-Paul Charles, ou bien Wendy Fell. Tout le monde s'est perdu du temps, tu prends le temps, bon, je ne perds du temps, mais tu prends le temps yo, pour t'expliquer, pour te décortiquer et rapport ça, pour t'expliquer grand pile bagaille FBI a dit aujourd'hui, qui t'a déjà dans le rapport. Elles sont bonnes. Donc, et non, entreprise ça même, qui a été mettre aujourd'hui, elle est déjà dans le rapport. Pour dire qu'il y a entreprise, mais qui a quitté des Et de même, bagailles. il y a des photos qui ont circulé, réunion, que nous avons été chita ensemble, mais qui n'a quitté dans la réunion. Exactement. C'est Dossier. une raison qui fait ancien sénateur qui était couru à le cacher John Toral. John Joseph, qui était à le cacher Jamaïque, et qu'on est acquis actuellement aux États-Unis en prison. Donc, ça veut dire que tout bagaille, ça, et c'est que c'était un travail sérieux qui était fait et avec DCPJ, et FBI prend l'approfondi, il vient avec tout ce bagaille, et déjà, nous, Madame Koch, était déjà dans tout bagaille, ça. Donc, toutes les raisons qui sont là. Donc, ça veut dire que c'est des gens, bon, non, qui battent là-dedans, qui viennent là-dedans après, c'est Ariel, Ariel et Henry, comme Premier ministre, et ils ont expliqué qu'il y a une relation avec Badiou et qu'il y a des échanges, Appel appels avant et après et la mort. après. Donc, ça veut dire que toutes les raisons, c'est. Et Jovenel Degretta lui-même accusé de tous les maux de la terre, et Jovenel, pratiquement, c'est ton monde. Et. L'opposition était à attendre depuis Jovenel tombé mourir, c'est le peuple qui a voulu arriver avec pied bois à faire manifestation. C'est le contraire qui est fait parce que, au fond, Jovenel grand il a fait et il ne doit pas faire au bien, je vous le fais, mais il y a un peu d'activité de l'Opmen. Donc, on a si on regarde les vidéos, et bon, même si c'est le président ce qu'il fait. Et de qui ça Jovenel réalisé pendant bout de temps de sous pouvoir, on va dire bon, et sous qu'on voyage à travers le pays à tout, on va dire, par exemple, moi-même qui consultant, dans l'époque, ça me toujours voyager à faire consultation, mais j'ai toujours chaque côté en chantier, mon bac à fait. Elles sont bonnes, ou bien sans dire mot place, je me songe, époque, il a dit, il a fait ça, c'est gros nom que les mot place, mais c'est un bon gros pépinière. Elles sont bonnes, mais des pépinières modernes. Mais si vous regardez les tabacs qu'on a, où on est dans les pépinières, il y a des plantules. Je dis à les plantules, ils ont donné à faire produit parce que vous avez un distributeur. Vous avez même fait cadeau même pour les planter. Donc c'est ça Haïti. Le problème d'Haïti, c'est que les gens sont là pour assassiner le caractère, ils ont éliminé le physiquement, donc ils contribuent à faire tuer. Et puis je dis, hein, toute ça a été quitté au lieu. Nous gérer, nous quitter là, gouvernement remplacer là, et c'est lui qui nommé, nous là, là, et pas et puis jusqu'à présent, je dis, on parle, côté justice l'a sorti. Ou est-ce américain qui a accusé, qui impliqué, puisque c'est un crime transnational, qui impliquait les États-Unis, la Colombie, la République dominicaine et Haïti, et même le Venezuela, puisque celui qui est arrêté, c'est chef compagnie, ça, son d'origine Venezuela. Vous comprenez? Donc, tout bagage, ça, c'est des informations que nous te connaissons déjà, mais nous-mêmes, nous n'avons pas de problème. Nous, là, nous avons frappé, nous avons mouru, et nous avons changé, nous avons toujours fait une blague pour ça. Nous parlons Nous une minute, Jobin. On est dans avons le deux là. un moment qui nous consacre, bon, et la mort et Jovenel est bien mouru, il est mal tué, mais bien mouru. Donc, c'est des barres comme ça. Et jusqu'à présent, je veux dire, on regarde des gens qui ont parlé de la radio, de la télévision. Abdou Jovenel, c'était chef gang, bah, etc. Donc, en tout cas, s'il est comme Canada, mettons pas qu'être dans la liste. Et comme les États-Unis, mettons pas qu'être dans la liste, au point qu'il y a 61 personnes qui impliquent la question sanction, qui gagnent sanction sur eux en fonction de ce qui s'est passé dans la gang, etc. Je suppose que si M. était là, tout.
Et là, mettez la liste là tout. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Et nous sommes arrivés dans la fin de l'émission, Jean-Aubert. Nous avons dit, est-ce que la mort Jovenel là, lui contribue à une certaine vérité qui permet au monde connaître. Mais est-ce que tuer Jovenel là permet le pays avancer? Est-ce que tuer Jovenel là permet qu'il y ait plus de job dans le pays? Est-ce Non, qu'elle ça permet de résoudre le problème de sécurité? va. Est-ce qu'elle permet de résoudre la question de production pour qu'il y ait plus manger, pour acheter moins manger? Parce que nous avons pensé que l'idée groupe qui a combattu Jovenel là, qui était penser que Jovenel tape handicap à ensemble de bagages ça, est-ce que journée jeudi a tout ça a été reproché Jovenel là pour ça yo détruit là, est-ce que peuple haïtien joigne sécurité, est-ce que peuple haïtien joigne manger pour le manger, est-ce que peuple haïtien joigne lumière pour et distraire pour, parce que lumière fait partie de la vie pour entreprise, est-ce que joigne ça, c'est la question. On a fini l'émission, nous demander. Est-ce que moun qui te présente Jovenel sous tout mauvais visage et car il détruit moralement, il détruit physiquement, est-ce que ça le te fait, c'est pour te permettre pays à marcher puis bien ou encore pour te mener pays à dans carrefour lié journée jeudi. En peu de mots, je remets au mot de la fin. Bon, moi, ça me dit tout le monde, bon, vite, il y aurait une question à ça, en bas, Jean-Aubert, Jean-Noël TV, en bas, et Téléprovincial. Nous-mêmes, ça nous a dit que c'est des questions-réponses évidentes, nous pas pour nous quitter là, même, mais nous avons pas poser, tout le monde est constaté, voilà. De toute manière, on est là, nous, toutes ces cours, nous avons couru, et je dis, mes policiers, à couru là, Pour les États-Unis, pour un petit Biden. étudiant tout, professionnel à courir. Donc, Tout il y a des gens qui le sont professionnels, qui ont cherché un monde. Professionnel, oui, qui est médecin, qui est ingénieur, qui a cherché qui j'ai un monde pour qu'il monde file pour eux. Donc, situation grave, question en amène nous. Nous-mêmes, qui suivent l'émission, nous demandons inscrits et voyez vidéo. Bah, l'autre monde pour yon ka tende et pour yon ka réfléchir sur ensemble de questions posées. Merci Jean-Robert, à la prochaine. C'est ton plaisir. À moi-même, à la prochaine sur cette chaîne.